Alors, coucou tout le monde! On se retrouve pour le vlogmas numéro 15. Non, il n'y a pas de boîte aux lettres. Ah oui, mais aujourd'hui, vous n'aurez pas la boîte aux lettres de l'avant parce qu'ils sont punis. Parce qu'hier, au magasin, ils ont été têtus. Donc, il est 8h du matin. Ils sont debout depuis 7h. Et comment vous dire que ça pique ce matin? Alors... Oui, chérie. Ça va. On verra. Alors, je disais donc, je sais même pas si je suis cadrée. Donc, en fait, je regarde dans un miroir là-bas. Non, je suis pas cadrée. Oh, punaise, la tête. Bref, mon petit pull de Noël. Et je suis enrhumée ce matin. Je suis dégoûtée. On va quand même aller faire les caches. Parce que je sais que demain, il va pleuvoir. Et que là, ce matin, dehors, il fait assez beau quand même. Donc, je veux absolument ces 80 points aujourd'hui. Comme ça, le reste du mois, on est tranquillou, on va dire. Donc, nous, on va prendre le petit déj. Elle est où ma fleur? Je sais que j'en ai perdu une. Je suis dégoûtée. Donc, je ne pourrais pas sortir avec. Il faudrait que je la retrouve. Donc, c'est vachement animé chez moi le matin, comme vous le voyez. Donc voilà, alors nous, on se retrouve juste après. Je vais essayer de fouiller ma troisième fleur parce que je la trouve plus. Et puis nous, on va sûrement se retrouver dans la voiture ou carrément là-bas. Allez, à toutes. Rekikou, alors il est 9h20 du matin, je suis déjà à la popote. Là, il va me rester à faire mon riz, laver la vaisselle... Enfin, avec essuyer la vaisselle, essuyer l'évier. J'ai fait tourner une machine. Et aujourd'hui, on mange haricots rouges avec lardons. Donc là, les lardons, ils sont en train de cuire. Ensuite, je les mets au cookéo et ils cuiront tout seuls. Pourquoi je fais maintenant? C'est parce qu'en fait, on va partir. Normalement, d'ici une demi-heure, on sera déjà parti. Voilà, je croise les doigts. Quand cette machine est finie, au retour, je dois faire une autre machine parce que j'ai les rideaux à faire, plus les tapis. Enfin bref. Et plein de choses de prévues, quoi. Le boulot de maman, on va dire. Donc, voilà. Alors, là, je fais revenir... Oups. Là, je fais revenir les lardons. J'ai mis un peu de curry parce que mon mari adore ce petit goût-là. Ensuite, je vais éteindre. Et je vais mettre au cookéo où j'ai fait cuire un tout petit peu les haricots rouges. Donc là, voilà. Ce sont... ces haricots rouges là que j'ai trouvé dans un magasin, dans une épicerie spéciale, enfin bref. Donc voilà, alors nous, je pense qu'on va se retrouver là-bas. À de suite. Me revoilà à la maison, regardez comment c'est le bordel derrière, mon dieu. Donc les images qui vont suivre, si je fais cette introduction maintenant, c'est pour prévenir que les images que vous allez voir après cette introduction, ce sont des images spoilées. Donc ceux qui ne veulent pas voir où sont les caches de ce géocaching, ben ils ne regardent pas la vidéo. Donc on se dit au revoir maintenant. Pour le reste, il faut que je vous dise, c'est une série de 10 caches. Dans certaines caches vont se trouver certains indices pour avoir les coordonnées de la toute dernière, la 11e et dernière cache. Donc sur les 10, hein, de 1 à 10, il y aura sur certaines caches des indices pour trouver les coordonnées de la 11e, qui est la dernière cache. Il y a Bill dehors, là, il faut aller le récupérer, le pauvre. C'est mon chat. Donc là, en fait, on va bientôt passer à table. Ah ! En sachant que nous sommes partis vers 10h30 et que maintenant, il est presque 14h30. Donc en gros, il est 14h20, en fait. Donc voilà, alors moi je vais vous laisser avec ces images-là puisque je vous ai expliqué en gros notre sortie de ce jour et puis on se retrouve à la fin. Donc là on se retrouve dans un parc, mais je pense que le multitron c'est là-bas. Donc encore une fois, ben, désolé, il y a du spoil aujourd'hui. Pour ceux qui ne veulent pas connaître où sont les caches, ben... Eh bien, ils ne devront pas regarder ma vidéo. Donc, on est sur Saint-Vulva. Saint-Vulbas. Et on est en train de faire les caches, une série de caches. Aujourd'hui, normalement, on a les 55 points. Mais bon, on verra bien. Donc là, Multitron, on est obligé de chercher où se trouvent les caches. Oui.
Oui, tu peux jouer là, mais pas là-bas. Là-bas, c'est pas un truc de jeu, hein. Donc ils veulent aller jouer. Donc nous, on va chercher la cache et après, je vous fais montrer ce qu'il en est. Allez. Alors. Ah ouais. Alors, je sais pas si vous voyez. Mais il est là. Il est là, il est là. Elle est là, la belle. Elle est là. Donc il faut qu'on la dévisse et ensuite qu'on voit ce qu'il y a dedans. Bon, bah, cette cache, elle a été assez rapido et heureusement parce que il fait vraiment froid. Allez, moi je vais mettre ma fille dans la voiture et après on y va. Mike, tu mets la deuxième cache. Alors, là on se dirige vers la deuxième cache et normalement elle est suspendue à 1,80 m, donc ça devrait être facile à trouver. Par contre c'est pas facile à se garer, normalement on devrait le faire à pied, mais je vous avoue qu'il fait très très froid. Enfin très très froid, non il fait froid, puis vu comment je suis habillée. Allez, à de suite. Alors, non, suspendu à 1,80 m. Et c'est quoi qui est suspendu à 1,80 m? Alors je pense que c'est par ici. Je pense que c'est par là. Et si c'est les mêmes caches que le premier, ça devrait. Et si, ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors. C'est moi. C'est là. C'est ici. Elle est où, Vemiti? Ve, il vient. Le stylo? Oui. Viens ici, Vemiti. Viens, Veille. Allez, on court, on court. Okay. Super. Ok, il faut noter l'indice. Ça y est, troisième cache. Alors, il est où? Il est là. Ah ouais, ouais, mais par contre, il est mal positionné. Je suis désolée, mais ça va pas tenir. Hein. Alors, là, je crois que j'ai pas filmé la cache numéro 4. Parce qu'il y a un indice dedans. Donc, on va laisser un peu le suspense pour les autres géocacheurs. Et là, on va se diriger finalement après le 4. On va se taper le 9 et le 10 parce qu'en fait, c'est dans la même zone. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre la carte. Parce qu'en fait c'est dans la même zone. Et que on n'a pas envie de faire tout le tour et revenir. En sachant très bien qu'on va être obligé de revenir pour la toute dernière cache. Donc nous on se retrouve dans 1 minute et 55 secondes. A de suite. Alors là il y a une espèce de four. C'est trop joli. Allez, si vous allez avec papa? Vous allez avec papa? C'est trop joli. Voilà. Donc là, on est en train de chercher la cache. Au pied. Alors là, on est sur la cache numéro 9. Donc on a fait de la 4, on a sauté au 9. Ensuite, on va au 10. Et moi, je vous retrouve... Oui, chérie. Attends, parce qu'en fait, en gros, il faut toujours toucher partout, partout, partout. Mais on va chercher. Alors j'imagine la cache elle va ce pied là au pied, donc Mickaël a déjà récupéré. Stop, fais montrer. Attends maman, fais voir chérie. Oh là là, tu peux pas noter. Bon, on peut toujours pas noter, je suis deg, mais c'est pas grave, on prend l'indice quand même. Alors, D6E6. D6. Ok.
combien ça? 6. C'est la cache numéro 6. Ensuite, il va nous rester encore la 5. Et on aura fait tout le tour et il faudra regarder avec tous les indices qu'on a pu récupérer pour voir où est la dernière cache. Et la dernière cache, c'est B5 C0. Donc là, je vais noter. Alors, on arrive pour la dernière cache de le côté qui va Miti, de ce côté-là, de la dernière cache. Et ensuite, comme on a regroupé tous les indices, on aura les nouveaux coordonnées pour la toute dernière cache. Ah ben, oh ben elle a été facile celle-là. Je vous emmène avec moi, attendez. Hop. Et la voilà en hauteur, c'est ce que vous voyez ici, là. Donc voilà, ça y est, on peut aller à la 10e, à la 11e cache. On arrive au dernier, les données géographiques donnent sur celui-là. Alors il fallait chercher un pommier, donc là vous avez un pommier. Ici, bon ça c'est pas un pommier, mais celui-là. Et voilà la belle. T'as fait qu'il n'y a pas de bestiole là-dedans, quoi. Punaise. Ah là là. Je suis trop content. Bon, c'est bien. Là, mon mari a filmé. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Si j'arrive à ouvrir. Ça c'est couillon, ça. Bon, il y a plein de petits, il y a plein de jouets et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est le logbook. Ah là là. Nous voilà de retour de la fin de ces caches là. Donc vous avez vu, en plus voilà ma fleur, j'en ai qu'une là. La deuxième elle doit être, elle est là. Et la troisième je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne portais pas de fleurs devant la vidéo. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, là ça parle un peu fort parce que c'est mon mari qui parle fort aux enfants. Là. Oui, donc là, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, alors le géocaching aujourd'hui est fini. Aujourd'hui, vous n'aurez pas l'ouverture de la boîte aux lettres de l'avant parce que les enfants, ils sont punis et que j'ai pas envie de leur faire ouvrir la boîte aux lettres à cause de ce qu'ils ont fait hier. Pour la petite histoire, on est allé à Nose et ils m'ont fait des cas nerveux tout le long dans Nose. Donc voilà, punition. Pas de livres déjà parce qu'ils adorent les livres. Donc ils n'auront pas ça. Et ils n'auront pas la boîte aux lettres du jour. Donc on verra demain. On verra demain. Donc voilà, ce vlogmas se termine maintenant. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Ciao, ciao, à demain.